Bonjour, c'est Elena. Et aujourd'hui, on va voir comment on se détend quand on a l'impression que notre bébé, il fait que essayer d'écarter notre cage thoracique. Il appuie sur les côtes et ça devient très, très douloureux. Mais avant ça, je vous invite de vous abonner sur la chaîne pour recevoir les autres vidéos avec les autres sujets. Likez et partagez la vidéo avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. À la fin de votre grossesse, quand votre bébé il a presque atteint le poids définitif avant la naissance, il se trouve dans une position de présentation et, en plupart du cas, c'est la tête en bas et le dos tourné vers la gauche. À ce moment-là, ses pieds ils sont bien levés et il les pose sur les côtes. Et comme il n'a plus beaucoup de place pour bouger, de temps en temps, il a envie de tendre ses jambes, tendre ses bras. Et à ce moment-là, ses talons, ils peuvent appuyer très, très fortement sur les côtes. Et c'est vraiment, on a l'impression qu'il a envie de les casser. En plus, comme la réaction normale pour tous les êtres humains, quand ça fait mal, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de résister, on se crispe. Et la douleur, elle devient plus intense. C'est normal que votre bébé, il a envie de bouger, mais il n'a plus de place. Le placenta, elle le retient et il a pris tout le volume à l'intérieur. Maintenant, pour pouvoir de l'aider à retrouver un petit peu plus de place pour qu'il bouge un petit peu, il faut que maman, elle apprend à se relâcher. Il y a quelques façons de le faire pour justement éviter ces appuis sur les côtes et ces douleurs intenses dans les côtes où on a l'impression que ça va casser et on ne supporte plus. Tout simplement, les mouvements et la respiration, ils peuvent inciter votre bébé de bouger autrement qu'en appuyant sur vos côtes. Vous pouvez, par exemple, faire l'exercice qui s'appelle le chat. Vous pouvez le faire en position à quatre pattes comme en position debout. Quand vous prenez l'appui sur vos genoux et vous essayez d'arrondir votre dos et d'allonger la colonne vertébrale, à creuser votre dos. Dans cette position, votre ventre, il se relâche. L'utérus, il libère les appuis sur les organes internes et sur les vaisseaux sanguins. Et il arrive à se relâcher en faisant les exercices, la respiration avec un petit mouvement qui permet à vos côtes se relâcher, qui permet à votre colonne vertébrale se relâcher, ça détend les crispations créées par les douleurs et ça vous permet de stopper les douleurs et les crispations, n'est-ce pas? Puis, vous pouvez tout simplement, en inspirant, levez le bras, ça ouvre les côtes, ça ouvre l'espace entre les côtes. Et quand vous inspirez, ça permet à muscle intercostal de se relâcher et vous libérez. Inspirez en levant le bras et inspirez dans les côtes. Expirez, relâchez votre bras. Et comme ça, vous faites le même mouvement deux, trois fois de chaque côté. D'un côté, la respiration, ça permet à oxygéner votre corps, oxygéner votre sang, et le sang
qui est mieux oxygéné, il ramène l'oxygène vers les muscles, ça détend. Et puis, quand vous gonflez la cage thoracique, finalement, les appuis de talons, des talons de votre bébé sur vos côtes, ils disparaissent. Puis, vous faites la même chose avec les deux bras en inspirant sans forcer et en expirant lentement. Faites attention que vous respirez dans la cage thoracique et en inspiration, expiration, vous videz la cage thoracique. C'est pareil, ça aide à votre cage thoracique de se détendre et à vos muscles intercostaux se relâcher et ça vous aide à enlever les tensions de l'intérieur. Voilà. Il y a encore un exercice de respiration qui va vous être utile et qui va vous aider. C'est la respiration par la cage thoracique, par le diaphragme. Vous mettez les mains sur la cage thoracique. Vous fermez les yeux et vous faites attention qu'avec chaque inspiration, vos côtes, elles s'ouvrent, votre cage thoracique, elle s'ouvre et avec expiration, elle revient en place. Il faut que vous sentez en inspiration que votre cage thoracique, elle devient plus volumineuse et avec expiration, le volume de votre cage thoracique, elle revient à la normale. Voilà quelques petites choses à faire pour stopper la douleur, pour enlever la crispation créée par cette douleur. Et pour expliquer à votre petit être qui vit en vous que s'il fait ces gestes brusquement, ça vous procure une douleur. Vous pouvez l'expliquer gentiment et comme on sait aujourd'hui que la liaison entre maman et le bébé, elle est très très forte, croyez-moi, il va vous écouter. Et dans tous les cas, en essayant de vous relâcher, vous détendre, vous allez remédier à beaucoup à plein de choses. Vous allez enlever les crispations, les gênes et les stress. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié les vidéos, likez-le, partagez avec les femmes enceintes à qui ça peut servir. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les autres vidéos avec les autres sujets. Et je vous souhaite le bien-être et bonne journée.